Jade. J'aimerais bien bouffer. Petit message important les amis, excusez-moi pour le brouhaha occasionnel que vous entendrez. C'est parce qu'on est 5 et qu'on a trop kiffé le tournage. Donc nos rires sont vraiment sincères, j'espère que vous kifferez avec nous. Ah oui, et surtout, pouce bleu tout de suite, je vais arrêter de vous le dire tout le temps. Vous mettez un pouce bleu et vous regardez la vidéo, ok? Oui, bonne vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Regardez comme je suis bien entouré. Les amis, c'est la folie. Je suis accompagné de Juju. Bonjour à tous. Je suis aussi accompagné aujourd'hui de Jade. Très sympa cette tenue. Est-ce que tu es au courant qu'il fait moins 10 dehors? Totalement. C'est pas possible. Il fait au moins, 8000. Et je suis également accompagné de Chloé. Bonjour. Vous avez trop aimé la vidéo qu'on a fait avec Studio Daniel. Toi, tu sais dire merci en trois langues? Thank you. Et bonjour. Ouais, d'accord. Voilà. Je vous ai promis lors de la vidéo avec Studio Daniel de vous faire le même jeu, mais à la version hot. Oh, la version extrême. Oh, il tourne en venant toi. Alors attention, là c'est vraiment le jeu moins de 18. J'ai ramené mes meilleurs soldats. Bon, et à mon assistante quand même, je suis un petit peu gêné. Toi tu, hein, tu dis va, pas des trucs trop salaces. Ça va bien. Moi je peux. Toi tu peux. Moi j'ai même pas né avec. Tu t'es tombé dedans quand t'étais petite. Mais les amis, qui dit moins de 18? Oh là là. Qui est le maître du moins de 18? Le pro de la démonétisation. On l'appelle la le batte. Démonétiseur. Le démonétiseur. J'ai demandé Jayco. Comme ça, Chloé, on veut voir Popol. Salut les amis, je suis là, je suis de retour pour rejouer de mauvais tours. On ne veut pas voir Popol, d'ailleurs vous remarquerez, c'est la première fois qu'on a mis ça devant. Vous cachez sa quille. Voilà, exactement. Ok, je suis parti, on est chaud, on est chaud. D'ailleurs les amis, merci infiniment, je suis de cul, c'est un jeu super... C'est vrai que c'est drôle comme nom. Bah oui. Les amis, vous allez vous amuser en soirée, vous allez kiffer, n'hésitez pas, c'est les fêtes en ce moment, en famille, vous pouvez jouer ça avec vos tontons. Peut-être pas cette version plutôt avec vos amis. Le concept est simple, nous allons à tour de rôle piocher une carte et nous aurons 8 secondes pour y répondre. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps pour réfléchir, ces cartes peuvent révéler notre pire face cachée. Zlatko va arrêter le chrono que quand vous appuierez sur le buzzer. Ah, okay. Tu n'es pas tu es prête. Oui. 3, 2, un top. Cite. Tu sais pourquoi j'ai bugué? Parce qu'elle marquait site et dans ma tête j'ai pensé à la revanche des sites. Star Wars. 3, 2, 1. Cite 3 choses que tu aimerais faire avant ton ex. Avec ton ex. Ben le c'est et coucher avec lui. Ben je sais pas moi. Ben avec ton ex. C'est les premières choses qui me sont venues. Bon, Zlatko, tu penseras à bien biper les 3 trucs. On lui passe le bonjour. On lui fait des bisous. Si t'entends. Mais sympa ta nouvelle manucure. Ah merci, j'ai quoi, t'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup. Concentrez-vous sur le. Alors, c'est parti. Si t'étais 3 réactions quand elle est encore enceinte le 2 avril. Merde. Oh non. C'est pas moi. Fait que ce débonne direct là, c'est bon. C'est sûr, c'est pas moi. C'est sûr, c'est sûr. Ah, je connais mon frère. C'est pas moi. Je peux pas la faire à mon assistant. Allez, elle veut elle. Trouve 3 excuses pourries pour ne pas faire l'amour. Elle veut qu'elle. J'ai pas d'excuses. Moi je suis quelqu'un de véridique et je dis ce que je pense. Ok, très bien. Juju, c'est 3 façons de préparer son petit cul pour faire l'amour. La mettre en condition en lui parlant, lui la bien allonger sur le ventre et lui faire plein de petits bisous et puis lui mettre un peu de vaseline parce que ça glisse mieux. Oh. J'ai l'impression que toujours préparer avant que ce soit pour que ce soit dilaté. ne fais plus d'intervention comme ça, Chico. Non mais vraiment. N'insiste pas à ce que vraiment YouTube voit vraiment devant leurs yeux démonétiser cette vidéo. 3, 2, 1. Mais non, c'est tué après que je cite 3 trucs qu'il vaut mieux faire les yeux fermés.
Un cuni, j'adore ça. Lécher l'anus aussi. Non mais attends, attends. Et... attends, deux secondes. Attends, est-ce que je peux reprendre le jeu? Attends. T'es pas obligé de dire un truc de cul. Les jeux du cul. Non mais d'accord. Mais les yeux fermés, on peut faire quoi? On peut embrasser, ah, on oui, peut... Oui, vas-y, on refait, on faire. Cite trois trucs qu'il vaut mieux faire, les yeux fermés. Ok, faire un cuni, manger une pastèque bien fraîche sur des tétons. Et manger dans un restaurant dans le noir. Bah ouais. Quoi? Je t'ai jamais fait une pastèque bien fraîche. Chloé, attention, le jeu est avec toi. 3, 2, 1. Cite 3 personnes qui mériteraient une bonne grosse bifle. Darko, ma mère et Po. Ah pardon. Non, je peux pas dire ça. Ah, ça mais pourquoi moi? Bah, maman Chloé, on vous dit bonjour. Bah, je sais pas, écoute, j'ai pensé à elle. Ok. Chico. Eh bah, non, mais d'abord. De calme. Oui, mais saluons sa mère. Ah, alors, carte spéciale DSQ, repioche une carte et obligation d'y répondre par des trucs salaces. D'accord, Darko? C'est vrai que depuis le début, on fait pas trop ça. C'est parti. Donne 3 raisons de crier sale pute à une petite vieille dans l'ordi. Parce qu'elle me fait chier, parce que... elle pue. Elle pue. Sale pute, tu pues. Putain, vas-y, j'ai perdu. Repioche une carte. Si le joueur qui y répond se plante, il doit choisir un joueur et lui murmurer à l'oreille ce qu'il aimerait qu'il lui fasse. Waouh. Donne 3 choses qui peuvent mal tourner quand tu lâches un paix. Que c'est pas un paix qui sort. Qu'il y a du monde à côté et que c'est ta mère sur qui tu pètes. Top. Aïe. Ah, la perte. 8 secondes, 11. Je vais choisir du coup quelqu'un qui va te murmurer ce qu'il aimerait te faire. Le problème, c'est que Jico, si vraiment je vais se dire. Moi, je veux pas cette responsabilité, c'est mon assistance. Chloé, j'ai envie que ce soit toi qui murmure. Honnêtement, c'est mon assistante et vraiment... Donc je murmure un truc dans l'oreille que je veux qu'elle me fasse. Non, non, que tu, veux tu aimerais le faire. Trouve un truc bien parce qu'après, il y a peut-être une carte qui dit faut le faire. Oh. Jade. J'aimerais bien bouffer le cul. Oh yeah. Si les amis... On va couper cette séquence très vite, cette séquence gênante. Tiens-toi prêt, cite 3 choses que l'on peut retrouver dans un vagin. Oh putain, bah mes doigts, ma langue et un stabilo. Moi je valide. Attends. C'est possible, non, hein. C'est fort probable. On va vite. Ah, elle a jamais un stabilo dans son vagin. Mais... Elle sort de partiel, hein. Ah, oui, là. Ah, carte spéciale, Marie-Antoinette, repioche une carte. Si le joueur qui répond non, si Géco tu te plantes, tu dois faire un baise-main à la personne assise à ta gauche. Baise-main, oh, main. Main, c'est pas baise. Baise-main. C'est pas baise, Chloé, hein. De toute façon, je peux me tromper. Géco, un peu de concentration, s'il te plaît. Cite 3 moments où il vaut mieux avoir le cul tout propre. Lors d'un rapport, lorsque je vais jouer au tennis. Et lorsque je vais jouer au badminton. Ok, bon, lui. Lui, il va me baiser la main. Et lorsque je vais jouer à un ping-pong. Alors lui, et je vais jouer à une squash. On a compris que lui, il a fait exprès de se tromper. Non, je te jure, non, vraiment pas. Ouais, on veut voir le magnifique baisement. Et en plus, t'adores mes ongles. J'adore tes ongles. J'ai regardé tes vidéos sur Insta. Ah, merci. J'adore la manicure. Mes mains. Attends, comme. Ouais, comme ça. C'est une main, hein. Calme-toi. Un petit ouvre la bouche là. Je suis gêné. Ok, tu es prête? Oui. Cite 3 raisons de se branler avant un rencard. Pour pas être excité, pour pas éjaculer pendant le rencard et pour pas vouloir faire l'amour après. Oh, oh bah, non. Elle a bien répondu et c'est véridique. Et bah 3 points Chloé. Ouais. Ouais. Pour l'instant je suis la maîtresse du jus du cul, hein. Ouais. Très étonnant, hein. Ah ouais. Et moi j'ai fait un baisement à la maîtresse. Heureusement que j'ai un train après, hein. Je vais me barrer en courant, hein. C'est parti, mon petit Darko. Nomme 3 choses sur lesquelles tu aimes t'asseoir. Ma chaise, mon lit et... Ah.
Non. Fallait dire, je sais pas, un concombre. Bah oui, bien sûr, j'adore ça, ma sœur. Le visage de ma partenaire. Ah oui, le visage de ma partenaire. Elle, je suis pas sûr qu'elle aime. Tu aimes t'asseoir dans sa bouche, quoi. Non mais c'est bon. C'est pas du tout. Ça a commencé à détendre un petit peu. Vraiment à ma droite, c'est compliqué de. C'est compliqué à gérer, tu vois. Putain, tu peux pas lui faire. Non mais. Mais allez. Mais j'en ai marre, pendant toute la vidéo, elle tombe sur les pires trucs. Les amis, je fais ça à mon assistante, ça me gêne. Mais c'est pas forcément ambigu, hein. Essaye de réfléchir sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Cite trois trucs à lécher jusqu'à la dernière goutte. Une glace, une pastèque fraîche et une sucette. Bien, bien la c'est pastèque bien, fraîche. Non, une sucette, y'a pas c'est de beau, sucette. C'est beau, c'est pas trop. Ah non, mais non. C'est assis, une sucette qui goûte, qui font une ouais, sucette qui goûte. Arrêtez, vous y connaissez mieux que nous. Une sucette qui goûte. Jade, check pour la pastèque fraîche. Check pour pas avoir dit des trucs sales. T'es prêt? Oui. Cite deux choses peu courantes que tu as déjà partagées avec ton ou ta meilleure pote. Peu courante. Hein. Bah, une relation sexuelle et un peu courante. Je sais pas, de l'argent. Tu peux préciser une relation sexuelle parce que vraiment. Parce bah, que je dis la vérité ou j'avoue, on veut savoir. Bah, c'est mieux ça plutôt qu'ils pensent qu'on ensemble. Ah, mais non, bah non, bah non, bah non, on partageait pas vraiment. Ah oui, oui, je comprends. Ah oui, je commence à comprendre. Oui, alors, c'était pas vraiment ça que je voulais dire. Monsieur Géco, est-ce que vous êtes prêt? Oula. Toujours, évidemment. Cite trois moments où il ne faut vraiment, mais alors vraiment pas, avoir une érection. Quand t'es devant le président Macron, quand t'es devant l'Assemblée nationale, quand t'es devant. Non, stop. Oui. Oh là. Je connais aucune situation où il faut pas bander. Lui, lui il est H24 en érection. Mais oui, t'as entendu, elle lui a dit devant ta mère, il dit non, non, c'est bon. Non. Il a dit ça, il a dit non. Il a dit non. Ah ouais, d'accord. Alors, Chloé, ah, j'ai hâte de savoir. Cite trois endroits où finir quand elle ne prend pas la pilule. Sur le ventre, sur le visage et dans ton dans le cul. Dans ton cul. Alors, dans ton cul. Alors, dans le cul de mon frère, je suis pas sûr. Bon, il était un peu facile quand même. Darko, cite trois accidents qui peuvent arriver pendant une levrette. Le frein qui pète, la meuf qui pète et moi qui pète. Je suis fier de ses réponses. Tout pète. Attention, c'est la tourette. Repioche une carte. Si le joueur qui répond se plante, il doit insulter gratuitement le joueur de son choix. Voilà. Jade, trouve trois choses pour faire fuir un coup d'un soir. T'as un truc entre les dents, tu pues des pieds et t'as les ongles dégueulasses noirs. Ouais, bon, mais elle a pas tapé. Elle a pas tapé. Alors tu as le choix, du coup, tu dois insulter quelqu'un gratuitement ici. Géco. Oh. Allez. Peut-être de chips. Ok. Ah ouais, super. Attends, imagine trois façons de dissimuler le truc horrible que tu as pondu au chiot. Mettre beaucoup de papier, le jeter par la fenêtre des toilettes et le manger. Ah c'est dégueulasse. Ah, moi j'ai jamais fait ça. Ah ouais? Je te promets que j'ai jamais. T'as déjà mangé la merde d'une meuf? Peut-être. Le quoi? Ok, passe. Chloé et Juju sont à un point de la victoire. Et donc du coup, on va faire un duel entre vous. Je vous pose une question et chacun vos tours, vous allez dire un truc jusqu'à ce qu'il y en ait un qui perde. Celui qui réfléchit trop ou qui répète ou qui n'a pas d'idée a perdu et l'autre se voit le grand gagnant du jeu du cul. Les amis, attention, grande finale. Donne une raison de le ou la larguer juste après avoir niqué. Parce qu'elle baise mal, oui. Parce que finalement elle est moche. Parce qu'elle ne me plaît pas sa personnalité. Parce qu'elle m'a griffé. Parce qu'elle pue des pieds. Parce qu'elle m'a mordu. Parce qu'elle m'a mal fait le sucer la bite. Quoi? C'est fini, Juju grand gagnant. Juju grand gagnant du Juju Q, bravo. Merci, merci, merci. Incroyable. Tu as gagné le trophée qui est le cadeau de Jade. Et tu as également gagné le Juju. Hop, j'en ai un autre pour toi. Non, je suis haute moi.
Les amis, celui-là c'est Vice Ultime, il est aussi bien. Tiens. Ah, en vrai tu me donnes? Oui. Et ben, je vais jouer avec mes copines à l'apéro. Voilà. Vous aussi les amis, n'hésitez pas à jouer, c'est des jeux de soirée, trop bien. Des jeux d'alcool, des jeux de grosses marades, les amis. Faites-vous plaisir, nous, vous avez vu, on a kiffé. Merci à Jus du cul d'ailleurs, abonnez-vous à tous. Si vous avez kiffé et que vous voulez qu'on rejoue, mettez plein de pouces bleus. On vous aime, on vous fait plein de gros bisous. Et à bientôt. Et à bientôt les amis, ciao.